Si mon équipe d'homme takes iron side, perd ses droits de décision sur la tribune. The Chase Ironside. Non, non seulement Chase Ironside décidera du prochain adversaire pour la ceinture de champion de la WWE de Degenerate, mais il obtient un combat au prochain show le 8 juin à Summertime. Pour moi, la bonne nouvelle, c'est que mon équipe, c'est la meilleure. À soir. Tu vois, là, j'ai une blessure d'épaule. Si j'avais été à mon 100%, là... Hey! T'es le roi du hardcore! C'est pas un épaule qui te fait souffrir! T'as envie, toi! Il pèse 700 livres à deux sacrements! Est-ce que c'est 700 livres à un, ah, justement, t'es gros! Je le sais, c'est ça le problème! Calmez-vous, les gars. Moi, j'ai la solution. Tu vois ça, là? C'est ma pause du Econo Fitness. Ouais. Tu vas t'apprêter, tu vas aller t'entraîner. Ben... Sauf, elle est juste disponible du jeudi au dimanche parce que tu me payes pas assez cher que je puisse en avoir une à temps plein. Hey, t'es-tu sérieux, là? Tu me donnes ça comme argument, toi, là, là? Hein? Tu veux m'encourager, tu dis que je te paye pas assez. T'as l'œil du tigre. Je crois en toi. L'œil du tigre. Non, ça marche pas plus. L'œil du tigre, ça, c'est fort. Ça avait marché quand Apollo l'a dit à Rocky. En 87. Tu lui donnes Saguenay, tu descendais. Ouais. T'es Tony Icon, mesdames, messieurs! Mais je luttais contre vous autres, pis j'étais gros aussi! Ouais, mais tu perdais parce que tu luttais contre nous autres! Mais là, tu luttes contre Chase Ironside! Il est gros aussi, lui! Tu ouais, mais hey, attends un peu, là! Il a quand même perdu 35 livres, là. Ouais. Ouais, mais si. On serait gros, nous. On aurait été capable de le battre. Mais là, on est tout petit, tout petit, tout petit. Ouais, tout c'est petit. Vrai que moi, j'ai comme plus de. Ouais! Oui! Ouais, ça, ouais. Faut sortir ton gros arsenal! Des splashs! La descente du coude, t'es pesant! Tu vas être défoncé! Ben oui! Wow! Ah oui! Moi, ouais, moi je crois là, sacrement! Genre, oui, c'est. Gros arsenal, ah oui! Ah oui, tu vas être défoncé! Ah, ok, ok, ouais. Mais là, les gars, ça va prendre plus que ça. Encouragez-moi, de rappelez-moi des bons souvenirs, quelque chose que dans le temps où ce que j'étais bon. Quand on écoutait le DVD de l'Ultimate Warrior, qu'on dit, t'étais meilleur que moi là-dedans. J'étais allé coucher chez vous, il jouait en bout, c'était malade! Ça m'a empêché de dormir! Ouais, t'étais. Il y a des gars. La tune, le menu. Ouais. Il était couché sur le bed. Oui. Il a commencé à oui. Le talent arrêté. Il s'en rappelle. Il m'en rappelle. Mais ce que je me rappelle aussi, là, c'est que t'étais gros. Ouais. Où
Mais c'est quoi le rapport? T'es gros, fait qu'faut que tu l'acceptes. Mais j'ai rien gagné à cause du DVD du Warrior! C'est quoi le rapport? Les gars, essayez pas de vous trouver des défaites. La défaite, c'est vous autres qui l'avez eu à soir, pis j'suis pogné pour lutter. Ça fait 15 ans que j'ai pas mis les pieds dans un ring. J'suis rendu gros comme un porc. Ok, là, comprenez-vous ça? Prenez pas de main, sacrement. Là, rendez-moi service. Dites-moi que vous vous rappelez qu'il y a un message d'avertissement au début du show de la TUW qui stipule que tout argument insultant, raciste, sexiste ou inacceptable envers un individu sera expulsé. Ouais. OK? Ouais, oui. Vous comprenez ça? Ouais, attends!